Alors, on va donc faire notre petite fonction pick-up item. Je vous montre juste un petit truc avant, pour ceux qui aiment bien ranger les choses. Tous ces éléments qui sont un peu bordéliques là, vous pouvez, si vous sélectionnez par exemple tous ces éléments, faire un clic droit et vous avez ici alignement. Donc vous pouvez très bien aligner à gauche, vous pouvez aligner en haut, en bas, sur les côtés. Vous avez même possibilité de distribuer verticalement les éléments pour qu'ils soient tous séparés avec les mêmes dimensions, etc. Vous voyez, c'est assez magique. Voilà, bon là c'était juste un petit trip comme ça, si vous voulez. Et puis je vous rappelle que vous avez toujours, si vous sélectionnez deux éléments et que vous appuyez sur la touche Q, vous avez possibilité de faire en sorte que le node soit bien droit. Voilà, comme ça là vous avez un truc super classe rangé. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va se lancer dans la création de fonction de pickup item. Toujours dans le BPO. Hein. Je compile ceci et je sauvegarde. Et donc on va le faire à la suite ici et voir un peu comment fonctionne ce sphere trace by channel. Donc ce sphere trace by channel en fait il fonctionne d'abord avec une sortie en branch. Voilà, donc là c'est une condition où on va essayer de trouver quel est l'élément qui doit être la condition pour que ça fonctionne. Cette condition elle est marquée par le out it. Donc là on va mettre un petit break it result pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc on a tous ces éléments là en fait qui sont dans le out it. Ok, donc on a ben, notamment nous ce qui va nous intéresser hein, c'est le it actor. Ça aurait pu être d'autres éléments, mais là en l'occurrence, nous c'est dès que notre élément va toucher un autre élément, on va vérifier que cet élément soit donc un acteur. Cet acteur il doit être égal à quoi? Ben, il doit être égal à, on va faire un petit cast to BP item parent. Et on va relier ce fameux itActor à l'object. Ensuite, hop, je vais un peu étirer ça. Ensuite ici, on va devoir mettre une nouvelle fonction qui va nous permettre de récupérer justement notre item. Alors pour ça, on va faire une nouvelle fonction qu'on va appeler pickup item, tout simplement. Pickup item. Voilà. Ce pickup item, ce qu'on va faire, c'est que on va le relier directement en fait à notre interaction item ici. Donc à la sortie, on va mettre le pickup item. Comme ça, on sait que tout est déjà relié et on n'a pas besoin de revenir dessus. Je compile, je sauvegarde. Alors, pickup item, blick. Donc dans ce pickup item, ce que je veux moi, c'est à l'entrée de pickup item, je veux récupérer la référence de l'objet. Sur laquelle mon personnage a fait son sphere trace by channel et donc a eu un hit result. Okay. Donc ce pickup item, il faut que dans l'input ici, je récupère l'item référence qui va être en l'occurrence l'objet référence item. Donc vous mettez un petit plus sur input ici, on va le nommer item ref. Et ici, donc on va aller chercher le BP. Item parent en object. Voilà, ok. Donc là, j'ai l'item ref ici. De cet item ref, ici, je vais faire un get class. Alors, pourquoi je récupère un get class? En fait, c'est que je veux récupérer ici la structure inventory que j'avais fait qui fonctionne avec des classes d'objets. Ok. D'ailleurs, je vais faire un, hop là, pardon, un make structure item inventory. Donc là, du coup, je fais l'inventaire hein, de mes objets avec ma classe. Ça, j'ai pu le faire notamment parce que je le tire de classe. Ensuite, ici, je vais tirer, non, plutôt de là, pardon, je vais tirer un add array, pardon. Voilà, un add array, hein, puisque je suis sur un tableau. Ici, je vais prendre l'inventory player que je vais mettre ici. Donc là, en fait, hein, vous voyez, je suis en train de redéfinir du coup
l'inventaire de mon personnage. Clac. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un truc tout bête ici. On va tirer un length. Length, voilà. Donc ça, c'est la, en fait, c'est la grandeur du tableau, en gros. Hein. Ce length, en fait, on va faire juste un print string pour voir si ça fonctionne bien. Et print string. Voilà. Donc là, je vais le raccorder. Ping. Et ça, je le raccorde. Voilà. Donc là, je vérifie. Tout est calé. Donc là, j'ai mon tableau. Et donc là, je vais avoir juste comme renseignement si j'ai bien mon tableau qui va s'incrémenter d'un objet, d'un objet, d'un objet, d'un objet. Je compile, je sauvegarde. Puis ça va me permettre aussi de tester, savoir si ma caméra et mon Sphere Trace by Chanel est bien orientée. Alors, hop. Donc là, si je fais ça, il se passe rien. Si je fais ça, il se passe rien. C'est génial, il se passe strictement rien. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais vérifier? Alors, ce qui manque un peu, à mon avis, en fait, c'est que mes éléments ne sont pas assez grands pour la Sphere Trace by Chanel. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans le BP item parent. En Add Component, je vais mettre une nouvelle sphère collision. Voilà. Et cette sphère, je vais mettre en scale 2, 2, 2. Voilà. Donc, on va avoir une sphère collision de 2, 2, 2 sur tous les items. Donc là, je vais revenir sur mon. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai bien une sphère collision. Ok, donc cette fois-ci, je vais retester. Donc là, j'ai rien, j'ai rien. Non, j'ai toujours rien. Ah, si, ok, donc, il faut vraiment que je sois dessus en fait, hein. Voilà, donc vous voyez ici que ça s'incrémente bien. Alors, le problème, c'est qu'il faut vraiment que ma caméra soit vraiment calée vers le bas pour que ça marche. Donc, on va du coup faire en sorte que la caméra soit plus basse. Parce que vous voyez qu'ici, ça ne marche pas. J'ai ma caméra pourtant qui traverse bien l'élément, mais qui ne capte pas. Il faut vraiment que je sois dessus. Ok, donc, je vais revenir sur mon Sphere Trace by Chanel. Donc c'était dans interaction item. Hein. Alors la modification que je vais faire, je vais peut-être faire une modification aussi par rapport à mon héros. C'est-à-dire que là en fait j'ai mon follow camera. Je vais mettre sur mon follow camera un autre élément qui sera invisible, mais qui va me permettre de gérer justement mieux ma caméra. Peut-être le mettre un peu au-dessus. Je vais utiliser quoi? Je vais utiliser le arrow, tout simplement. Donc, je vais mettre un arrow sur mon follow camera. Ok. Voilà. Donc là, j'ai ma arrow qui est là. Donc je vais mettre ma arrow du coup un peu plus haut. Peut-être. Et je vais monter peut-être un. Ouais, peut-être pas autant. On va mettre à 90 piles. Et puis je vais l'augmenter également en rotation. Donc comme si la caméra visait un peu plus vers le ciel. Mais en fait, ça va gruger pour que ma sphère Trace by Chanel remonte un peu. Et puis après, on va essayer d'ajuster au mieux comme ça. Donc je vais mettre rotation. On va tester avec 8. J'y vais, mais alors complètement au hasard. Compiler. Sauvegarder. Donc voilà, là ma sphère Trace by Chanel en fait va partir de là. Je vais revenir ici. Pardon, interaction item. Voilà, donc je vais enlever le follow camera. Je vais utiliser le arrow. Je vais peut-être le renommer d'ailleurs. Je vais l'appeler ref target. Sphere Trace by Chanel. Ça, c'est du nom. Bon, c'est un peu long, mais au moins on sait de quoi on parle. Allez, je relis tout ça. Tchac. On va conserver ces dimensions-là pour le moment. On va juste tester. Donc, du coup. Alors là, je suis peut-être un peu trop haut, du coup. Enfin, baisser peut-être un peu. Alors pour autant, hein, j'arrive quand même à mieux choper mes éléments quand je baisse légèrement la caméra. Mais il faudrait que je puisse
les choper même quand je suis comme ça en fait. Donc là en fait je vais rebaisser un peu mon élément qui est là. Peut-être le mettre à 50. Z 50. Ok. Compile. Là aussi le X, je vais quand même lui mettre une valeur fixe. Je vais mettre moins de 250. Voilà. Allez, compile, save. On reteste. Alors ça marche. Après il part de vraiment derrière pour rien. Donc si je vise trop, je l'ai pas. Alors j'ai peut-être compté le radius aussi, hein. Donc là c'est vraiment des petits ajustements. Check, check, check. Oups, là je suis perdu. BP héros. Voilà, il est là. On va peut-être l'avancer un peu plus en fait. On va le mettre à moins 25. Oula, non, on va le mettre à moins 50. Non plus. Moins 100. Ouais, c'est mieux. Le Z, on va le mettre à 50. Voilà. Je compile. Je sauvegarde. Par contre, il va falloir peut-être avancer le Sphere Transway Channel. Donc là, c'est à vous d'ajuster aussi. Hein. Vous faites en fonction. Vous regardez d'où part votre élément. Là, c'est déjà mieux. Vous voyez, ça part un peu plus au-dessus de la tête. Ok, par contre. Ouais, non, là, ça marche pas trop mal. On peut partir là-dessus. Effectivement, là, vous voyez que je capte mieux mes éléments. Ok. Alors, juste pour vraiment faire en sorte que ce soit pas trop derrière la tronche non plus, on va peut-être mettre ici. Le début, le start à 400. On va voir ce que ça donne. Oui, voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et là, je chope mes éléments. Ok. Bon, voilà, là, on a donc ajusté le Sphere Trace by Channel. On a vu que par le print string, donc on a nos éléments qui rentrent dans nos structures. Ben voilà, nickel. Donc, le prochain élément, ça va être la création du widget Inventory. Et on va donc mettre dans notre inventaire les éléments qu'on va récupérer.